à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, toujours en Islande. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Donc ce matin on est parti de notre logement à Ofn. Ça s'est très bien passé, hein, pour une nuit c'était suffisant. Et on a décidé d'aller du coup au village viking, qui est du coup connu pour des séries de films, hein, notamment la série Viking. Moi je ne l'ai jamais vu, mais si vous l'avez vu, vous allez forcément reconnaître cet endroit. Et du coup, le paysage est juste incroyable, genre c'est fou. Alors on a le café Viking, donc le café Viking il est reconnu parce que bah, c'est un endroit qui est chaleureux, on peut prendre son petit déjeuner, il y a de quoi recharger son téléphone. Il y a des toilettes, la dame est très sympa, enfin voilà. Donc on peut manger sur place. Les prix sont peut-être un petit peu plus élevés, mais en vrai c'est convivial, c'est cosy. Et pour l'entrée en fait de tout ça, tout le Viking Village, c'est payant. Que ce soit en voiture ou à pied, bon, de toute façon vous ne pouvez pas vraiment venir à pied ici. C'est 900 ISK par personne. Donc voilà, c'est pas donné, donc ça fait 1800 ISK du coup pour deux. Mais du coup vous avez accès ensuite à tout l'espace qui est juste ici. Vous avez du coup donc, le Viking Village, vous avez Stokn qui est là-bas et vous avez une vue sur Ofn. Donc c'est juste trop putain de beau. Genre, enfin je n'ai pas les mots, genre c'est vraiment incroyable. Je meurs en fait tellement c'est beau, on a le lever du soleil, il y a le lac qui est gelé, il y a le ciel qui est un petit peu rose. Bah je vous laisse profiter en fait des images qui vont suivre et on se retrouve plus tard pour un petit débrief.
les gars. Waouh, c'est trop putain de beau. Franchement, je m'en remets pas, c'est incroyable. On dirait un mix entre la Patagonie, la Mongolie. C'est trop bien. Les toilettes sont hyper propres. En général, les toilettes sont propres. Genre, même ceux du camping là qu'on a fait à Skaftafell, ils étaient super propres. On n'a pas fait les douches, mais elles avaient l'air propres aussi. Franchement, c'est incroyablement beau. Par contre, le souci, c'est que voilà, tout est payant. Donc, je vous mets là, je sais pas si vous me verrez. Tout est payant. Donc, en fait, c'est principalement le parking qui est payant. Après, vous avez accès à tout, mais le parking, voilà, c'est entre. Bah là, c'est 900. 900 Yaska, là c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment, c'est incroyable. Et même si vous y allez à pied, c'est payant. Par contre, c'est, voilà, c'est super beau. Bon, par contre, le style, faut pas compter avoir du style. Il y a énormément, ça on me l'avait dit, en janvier, il y a énormément d'Asiatiques qui viennent. Donc en fait, les principaux touristes, c'est des Asiatiques. Mais les Asiatiques, ils font des photos en mode on est stylé. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà vu une meuf, alors qu'il faisait un vent pas possible, en jupe. Genre, d'accord. Genre, oui, elle était stylée, mais bah moi, je préfère avoir une vieille gueule que et avoir chaud plutôt qu'être stylée et me les peler, quoi. Enfin, quelle horreur. Enfin, bon, bref, hormis ça, ouais, c'est incroyable. Donc là, on va faire toute la côte est. Donc, les routes sont bonnes. Je vais quand même rechecker. Donc, on a des sites à internet à chaque fois qui sont mentionnés. Donc, ça, c'est road.is à chaque fois, je vous l'avais déjà dit sur la première vidéo, mais et le weather aussi, enfin le temps, pardon, donc weather.is. Donc ça permet de voir un petit peu si les routes sont praticables. Dans le nord, là, il neige beaucoup et là, les routes sont pas praticables, donc j'espère qu'on va pas rester bloqué là-bas parce que c'est relou sinon, en fait. Mais voilà, il faut quand même faire attention sur les routes quand vous roulez. Moi, je roule à la vitesse, donc c'est 90 les routes, et des fois c'est 70 et 50 quand on arrive en agglomération. Mais par contre, voilà, quand il y a de la neige, quand c'est glissant, parce que ça se voit quand c'est glissant et ça se sent, je ralentis, il faut ralentir de toute façon. Quand il y a du vent aussi, il faut faire attention, donc voilà. Oh, je galère. Bon, bref. En tout cas, c'est vraiment super beau. J'espère que les images vont bien rendre. J'ai vu hier, en regardant les vidéos, que sur la GoPro, j'étais dans un mode zoom. Du coup, toutes les vidéos depuis le début du séjour, elles sont, mais, dégueulasses. Donc, je vais quand même... Alors, je les ai quand même mises parce que, sinon, vous ne verrez rien du voyage. Mais du coup, je m'en excuse. Je suis vraiment désolée pour ça. J'ai regardé, j'étais dégoûtée. Toutes les vidéos hier, là, au Vatnajökull, au glacier, ça rend mes caca boudins. Donc, je suis deg. Et bon, tant pis, hein, c'est la vie. Mais aujourd'hui, normalement, ça devrait être bon. J'ai tout remis en ordre. Et voilà. Du coup, on va prendre la route direction un bled dont le nom s'affichera parce que, waouh, en fait, les prononciations ici. Ah oui, et si je l'ai oublié de le dire, le corbeau hier qu'il y avait, en fait, c'est un peu le gardien du glacier. Il faisait que de nous suivre et c'était trop mignon, je l'adore, il est trop mignon. Et son nom, c'est Huggin. En fait, c'est le gardien vraiment du glacier parce qu'il a vraiment un nom, tout le monde lui donne ce nom, tous les guides le connaissent. Et il était trop mignon, il nous suivait partout, franchement trop mims. Et voilà, Huggin, et vous allez sûrement pouvoir le trouver... en photo des fois en Islande sur ce glacier là en tout cas, donc voilà, trop mignon. C'était pour la petite anecdote. Du coup, on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite du périple.
nous sommes à Djupivogur, c'est juste après donc l'énorme route que l'on vient de passer. Il y a des toilettes, c'est hyper bien indiqué, vous avez un panneau toilette de toute façon sur la route à 21 km, puis à l'entrée de la ville, puis des petits marquages au sol pour vous dire où est-ce qu'ils sont. Et ils sont hyper propres, bien évidemment. C'est un petit port qui est très sympa, mais on va pas s'y arrêter plus longtemps que ça. Mais ouais, non, un peu avec le ciel, c'est magnifique, la route, waouh, sur les vidéos, j'espère que ça rendra bien, mais c'est pépito. On continue du coup notre petite balade, direction l'autre côté de la péninsule. Alors bah, on se retrouve dans notre hébergement éclaté. C'était une grosse journée, j'ai conduit au moins 4 heures. On a fait des arrêts par-ci par-là, vous avez vu les vidéos, c'était juste incroyable. Franchement la route, déjà hier la route était incroyable. De Skaftafell jusqu'à Ofn, mais là de Ofn jusqu'à, du coup on est à Eglistadir, un truc comme ça. C'est incroyable parce qu'il y a plein de, d'espèces de presqu'îles, de péninsules. C'est très comme ça tout le temps. C'est vraiment l'est de l'Islande et franchement les paysages c'était juste fou avec le coucher du soleil, rose, orange. C'était incroyable. Donc on s'est arrêté vraiment là où on pouvait. On a vu des rennes. C'était trop mignon les petits rennes. On les avait vus sûrement sur les vidéos mais franchement incroyable. Et je voulais rectifier quelque chose. La série, en fait le village viking on a vu, c'est pas du tout la série viking, c'est la série de Itcher je crois, je vous mettrai le nom quelque part parce que je m'en rappelle plus, mais c'est ici que ça a été tourné et de toute façon viking s'en est inspiré aussi hein, de toute façon par rapport au paysage. Et ouais, c'était fou, c'était vraiment incroyable la route. Donc le premier village où on s'est arrêté, donc sachant qu'il y a quasiment 1h30 de route, 1 heure quand même, allez. C'est à Djupivogur, un truc comme ça. Là où on s'est arrêté, hein, que j'avais fait les vidéos, et après du coup on a repris la route, et c'était l'arrêt à Faskedjubrup, quelque chose comme ça. Et en fait, la particularité de ce village, c'est que, alors je ne me rappelle plus l'histoire exacte, mais en gros il y a des Français qui sont venus ici, et en fait toutes les rues, sont traduites en français. Je vais mettre une photo juste à côté pour que vous puissiez juste voir un exemple. Donc il y avait rue du port avec le nom islandais juste au-dessus, c'était grave rigolo. On est passé là mais bon bien sûr il faisait nuit donc on voyait pas très bien et les routes aux alentours étaient pas praticables. Donc on est revenu sur la route normale pour aller à notre hébergement. Donc là c'est toilette et douche commune mais c'est relativement propre, on doit enlever ses chaussures à l'entrée.
Donc on va manger un petit peu. On est allé faire les magasins. Les courses dans le supermarché Bonus, parce que du coup il y a Netto, Bonus et Cronan. Enfin, vous en avez d'autres. Mais Bonus, on n'était jamais fait. On avait fait Cronan hein, jusqu'à présent, mais pas Bonus. On a trouvé deux, trois trucs faits en Islande, là, des trucs à réchauffer. Bon, c'est pas ouf. Au niveau nourriture, de toute façon, c'est pas ouf. Hein. L'Islande, c'est pas réputé pour ça du tout. Là, on se nourrit principalement de sandwichs, Si, hier, c'était une salade de pommes de terre. Donc. Les petits déjeuners, c'est hyper cher ici, de toute façon. Donc, pareil, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà, un petit peu, la journée, c'était vraiment très, très beau. Franchement, incroyable. Je sais pas comment ça peut être encore plus beau. À chaque fois, je me dis, mais on a déjà vu des trucs incroyables. Là, ça peut pas être encore plus beau. Et chaque jour, c'est magnifique. Donc, on verra demain. Demain, c'est prévu d'aller plutôt dans le nord, mais les routes sont pas praticables pour le moment. Il neige. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer, si on va réussir à conduire ou pas. Parce qu'il y a des cascades à faire, il y a Selfoss, Détifoss aussi, je crois. Donc voilà, ça a l'air juste fou. De toute façon, je vous spoile le pas. Si vous voulez voir les vidéos, je vous invite à nous suivre et à regarder du coup la semaine prochaine en activant la petite cloche des notifications. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à laisser un petit commentaire. Et j'aimerais bien savoir aussi, depuis le début du voyage, qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui était le plus impressionnant en vidéo, malgré le fait que la qualité, wow, c'était aberrant les fois précédentes. Je suis désolée, j'espère que ça va mieux maintenant. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.